Salut à tous, on se retrouve pour la suite de ma partie. Avec Milan, donc venant d'Italie. On est en train de refaire nos forces et il va falloir réfléchir à ce qu'on fait. Cinq relations, on dit possiblement 6. Ça va être compliqué, mais bon. On va améliorer les relations ici. Du coup, là ça sert à rien vu que ça rembourse, ça fait 0. Si je te menace de guerre, non. Si je t'attaque, l'Autriche viendrait avec la Suède avec tout ça. Moi je viendrais avec personne. Avec personne. Ah, mais je pouvais peut-être vassaliser là. Voilà. Ce sont nos alliés désormais. Et je fais ça, j'ai personne qui va m'aider, quoi. J'attaque l'Autriche. J'ai personne. On va te faire une indication sur la Bourgogne. On n'a pas trop le choix. Bon, on va faire baisser notre maintenance. Là, on va essayer de rembourser ce crédit. Il faut 752. Alors, 3 millions de plus, on va les faire. Va être compliqué quand même d'aller attaquer le bloc ottoman. Ça va être extrêmement compliqué. Enrouler. Ce qu'on pourra faire de toute façon. Faut 2900 pour passer à la vers suivante, donc autant dire que c'est pas encore à l'ordre du jour. On va se permettre de faire ça. Et monter là, ici. Eux, ils sont en guerre contre la Hongrie. On va faire une revendication sur... Ça, c'est qui? Oui, c'est fait. Pour celui-là, le mieux. Ça va être compliqué là, je sais pas qui c'est que je veux attaquer, la Suède, Brandebourg, Francfort, Münster. Et je les menace là. Hop. Impeccable. Rembourser. Pas non, toujours pas d'amitié franco-italienne. En revanche, là, on va aller leur péter la gueule. Aucune revendication sur la franchement. On déclare à l'Autrichien. Putain, les Autrichiens me font chier. Oh, la France, ça viendrait pas. Ah, oui, mais je sais pas, il y a avec la France. Castille a tellement de dettes. Je vois pas du tout comment je vais pouvoir faire. Bon,
Bon, ben là, il faut augmenter un petit peu. Voilà. C'est toujours pas facile de technologie. Faut 25 pour fabriquer une indication. Je me sens un petit peu coincé là. Pour être honnête, on a 1657, je ne sais pas vers qui aller attaquer. Et nos amis suédois ont quand même des bons alliés. Nos amis autrichiens ont des alliés assez intéressants. Barcelonais, alors les séparatistes catalans ont essayé de calmer direct. Hop, on fait ça, on fait ça. Ouais. L'Autriche est en guerre ou pas? N'est pas en guerre et règne sur la Bohème toujours. Bon, ce sera 1661 dans 3 ans. J'attaque là. Personne qui vient. Je prends tout. Total. Allez, un petit cavalier ici. On gagne 55 par tour, mais c'est normal parce que j'ai. La maintenance aura. Ah, toute petite. Là, j'en ai pas besoin. Un peu compliqué. Un petit peu compliqué. Si je menace de guerre, ils vont me donner. Ils seraient pas loin, ils me le donnent. Ça veut dire qu'ils me craignent quand même. Portugal, ils ne passent pas loin. La question pourrait venir, mais elle a trop de dettes. Et le trêve, du coup, ils viendraient pas. Sinon, ça les intéresserait sans doute un peu. Voilà. Un petit coup à Raguse. Bon, simple question. Si je te menace très loin de nous donner des trucs. On est d'accord. Qui est d'ailleurs? Avec le Maroc. Qui est faire le réseau d'espionnage ici. Oh merde, le Catalan. Bon là on a juste qu'à envoyer une seule armée, je pense qu'avec ça on peut débrouiller ici. Là. Voilà. Votre arme est passée. On va faire un petit canon ici.
Là, on va continuer de faire. Est-ce qu'on pourrait faire. On a 5. 15%. Ah, l'Autriche a déclenché la guerre contre. Putain, ils font chier. Hein. Ah oui. On donne la friole. Eh bien, merci. Du coup, ça vous avez. Vous avez pas un peu peur là, quand même? Toujours pas. Toujours pas peur. Comment on nous a quittés? Bon ben là, c'est toujours calme. Pas grand chose. On continue de faire un peu des navires de prochaine guerre. Ah. 11 nobles. On va se dépêcher de faire ça. Et d'envoyer les troupes. Ça, hein. Il devrait pas tarder à apparaître. Voilà, à dégager. On va revendiquer un nouveau truc. Bon, papa, il faut 30. Il déclare la guerre. Toujours pas. La Catalogne. En 1661. On va le faire rapidement. Un petit coup comme ça. Un petit coup de ça. Crise politique, perte de la stabilité ou de l'illégitimité. On va pas l'illégitimité. C'est que 12 en avance, pas beaucoup. Continuer tous à produire. Fabriquer à Zagreb. Un tir de l'espionnage sur la loterie. Et là, alors c'est quoi ça? Bon, on va perdre ça. La capitale, elle est où? Le requin de revendication sur Palatina. Et menace qui me donne. Non, on n'a pas envie. Enfin, on va mettre un petit point dans l'indication. Parce que Maroc, Ottoman et Maroc. Moi, ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à attaquer le Maroc, en fait. Mais je n'ai aucune revendication possible.
Gerba. Les Ottomans, ils sont allés à Tunis. Ah, 2000 hommes de plus. On va mettre le canon. On est calme. Voilà. L'Autriche, elle est en guerre contre la Hongrie, Cologne et Nuremberg, là où l'Autriche, eux, ils sont en guerre contre tout le monde. Donc, à mon avis, on peut clairement dire que bah, la Hongrie, qui est devenue toute petite, est très mal barrée. Et Trevor Aragon a expiré. Donc nous allons d'ores et déjà attaquer. On va lever ça. Et donc, nous allons passer à l'attaque, déclarer la guerre. Alors, les états scientifiques viennent contre nous, mais ça tombe bien, je ne sais pas où ils sont. Peut-être saura-t-on me dire où il se trouve. Toujours est-il que je n'en ai aucune idée. Ils ne doivent pas avoir de troupes d'ailleurs. Ils ont 6000 hommes. Et où ils sont? Demandez la paix. Louse. Nous sommes. Ils sont là. Bon, on attaque, on n'a pas besoin d'aide avec la Hongrie. Est terminé. On est en guerre, on ne peut pas. Trente-trois bateaux. On va se prendre un petit amiral et on va l'amener ici. Voilà, c'est fait. Et on va s'arrêter là donc pour cette partie. Je vous dis donc à plus tard pour la suite de la partie. Allez, salut!